Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Prière de combat à faire entre minuit et 2 heures du matin. Tu peux faire cette prière soit à minuit, soit à 1 heure ou à 2 heures du matin. Répète après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que mes rêves et mes visions rejettent toute projection de sorcellerie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le coup de tonnerre de Dieu localise et détruise tout pouvoir du couvent des sorciers, des délibérations, des décisions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu démantèle, détruit, brise et localise le porte maléfique qui s'élève contre ma destinée et ma vie en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit des eaux, de mon village ou de mon lieu de naissance qui pratique la sorcellerie contre ma famille et moi, soit amputé, détruit par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ordonne aux étoiles, dans leur course, de combattre mes poursuivants entêtés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi
rugis et domine mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir de la mort est brisé dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout siège de la sorcellerie reçoit le feu du tonnerre de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que l'habitation du pouvoir de la sorcellerie soit désert, détruit, effacé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout trône de la sorcellerie dans ma famille soit démantelé et renversé par le feu de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la forteresse de pouvoir de la sorcellerie de ma famille soit renversé par le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les refuges du pouvoir de la sorcellerie soient renversés maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les réseaux de la sorcellerie soient brisés, déconnecté au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les systèmes de communication, de pouvoir de la sorcellerie dans ma famille soient détruits par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute chose en moi qui soutient la sorcellerie, toutes choses que le sorcier a implantées dans ma vie, dans mon corps, dans ma santé, dans mes entreprises, qui soutient la sorcellerie sans que je ne le sache, soit brisé, soit détruit, consumé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous, propriétaire de fardeaux maléfiques, embargo de la sorcellerie, reprenez vos fardeaux au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise tout embargo ancestral sur ma vie. Je te brise maintenant. Je recouvre mes finances par le sang de Jésus-Christ. Et je brise toute sorcellerie qui a attaqué mes finances au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute puissance de mes ancêtres qui combat ma vie, mon étoile et ma destinée soit brisée et détruite au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au temps marqué, il sera dit à moi et à ma famille quelle est l'œuvre de Dieu. Je déclare que je suis séparé par Dieu, par la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon chef et le consommateur de ma foi, de tout le lien avec les alliances
les malédictions, les gardiens des esprits ancestraux. Désormais, je refuse de vivre dans la peur. Au contraire, je serai un sujet de peur et d'épouvante pour tous mes ennemis. Ils m'obéiront au premier ordre. Ils me flatteront. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Dieu, je déclare par la puissance que tu m'as donnée que tout poursuivant maléfique qui s'élève contre ma vie soit frappé, humilié au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je lis et je chasse tout esprit de mort qui plane sur ma vie, toute réclamation de mort sur ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète que toute chose que Dieu n'a pas plantée dans ma vie doit être déracinée maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute transmission négative de la méchanceté de la maison de mon père qui œuvre contre moi disparaît maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je lis et je chasse toute influence négative de l'esprit du cimetière sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me libère de toute servitude, de dédicace maléfique. Je détruis l'esprit de mort et je brise tout germe de maladie satanique dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et disperse toute conspiration qui œuvre contre mon progrès, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon Dieu, lève-toi dans ta grande puissance et détruis mes oppresseurs ténaces, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et confonds les langues de mes ennemis ténaces. Toute injonction satanique qui œuvre contre ma destinée retourne en l'envoyeur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je lis et je chasse au loin tout esprit de peur, d'anxiété, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon sang soit retiré de tout autel maléfique, tout poison physique et spirituel qui œuvre contre mon corps. Sors de mon corps, sèche-toi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, lève-toi et déclare ma saison de miracle. Libère-moi de tous mes poursuivants. Lève-toi dans ma guerre. Défends ma cause et libère mon âme de prison satanique. Que toute partie de mon corps, de ma vie, que l'ennemi utilise, soit retirée de la main de l'ennemi.
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout Goliath qui se vante contre mes percées meurt et soit détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ma destinée, écoute la parole du Seigneur. Avance à ton niveau supérieur. Et je déclenche par la puissance de Dieu une accélération divine dans ma vie, dans tout le domaine, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout serpent et scorpion assigné à me mettre dans la honte, mourez et soyez brisés en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout gars des affaires, tout kemboisère, tout marabout, tout féticheur, tout enchanteur assigné à mettre fin à ma vie, soyez brisés, détruits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute progression maléfique contre ma vie meurt et soit brisée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout oiseau des ténèbres assigné à troubler mon étoile meurt au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir de limitation soit brisé. Ma gloire sort du cimetière de la régression et brille maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute flèche de confusion soit détruite. Toute assemblée d'affliction soit dispersée. Sang de Jésus-Christ sème la confusion dans la banque des sangs de la sorcellerie de ma famille au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète contre les serpents et les scorpions que leur poison meure et soit nul et sans effet au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Je chasse au loin toute accusation légale que l'ennemi a contre moi dans des tribunaux sorcelleriques. Je le présente la croix de Jésus, car à la croix, il a porté ma condamnation et il m'a justifié. Je déclare que je reçois la justification par l'œuvre de la croix au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je lis toute infirmité sponsorisée par la sorcellerie. Je la chasse maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ pour briser tout charme maléfique qui œuvre contre ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'utilise le sang de Jésus-Christ pour me séparer de toute forme d'affliction maléfique. Toute alliance qui parle contre ma destinée soit détruite. Je me dresse contre tout autel ou relique de ténèbres qui œuvre contre ma destinée au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, je neutralise toute flèche ou incantation qui œuvre contre ma vie. Je révoque et j'annule toute manipulation de la sorcellerie qui affecte mon corps au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me positionne par le feu pour une intervention divine rapide au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Dieu, mon Père, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon alliance, le Dieu de l'apôtre Joël Kamba, le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu qui a établi alliance avec son serviteur, l'apôtre Joël Kamba, dans Ésaïe, chapitre 45, verset 2. Lève-toi, explose dans ma vie par les signes et des miracles. Je veux vivre des exploits, des signes et des miracles dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ressources de cieux, levez-vous par le feu. Donnez-moi la promotion divine qui m'est réservée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui veut que je meure dans cette situation difficile soit brisé, confondu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, lève-toi et que la racine des duretés dans ma vie meure maintenant, de la pauvreté dans ma vie soit déracinée en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mer rouge de blocage, je crie contre toi, divise-toi par le feu de Dieu. Tout pouvoir qui retient la corde de mon instrument d'avancement meurt, soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je récupère 10 fois toutes mes années gâchées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute menace satanique de mon existence soit déracinée et brisée. Ma portion ne sera pas donnée à un autre. Personne ne me volera ce qui est à moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La destruction soudaine ne sera pas ma portion. Je ne serai pas surpris par l'ennemi, par le diable, mais je suis au cœur de l'action avec Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout enchantement assigné à ma chute meurt et soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personnalité qui transporte la semence de la méchanceté contre moi soit exposée et détruite, humiliée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'ennemi qui est venu pendant que je dormais et qui a semé de mauvaises choses, la maladie, la pauvreté, soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toi, échelle d'oppression, prends feu. Toi, échelle d'affliction, prends feu.
toi échelle d'infirmité, prophète. Toi échelle d'échec au seuil de mes percées, prophète. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux faire cette prière autant de fois que le Saint-Esprit te conduit à le faire entre minuit et 2h du matin. Tu peux prendre un programme de 7 jours, de 3 jours, de 21 jours, selon que l'Esprit de Dieu te conduira. Et crois-moi que tu remporteras des grandes victoires. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.